Bec, bloc, choc, roc. Voici seulement quelques noms qui se terminent en C et qu'on prononce en français. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons pratiquer de la prononciation française. Today, we're going to do some French pronunciation practice. Yes, we're going to practice some French words. On va pratiquer en particulier les noms et adjectifs qui se terminent en C et que l'on prononce, où le C est prononcé. We're going to talk specifically about nouns and adjectives that end in the letter C in French and that we actually pronounce. Before that, we're going to talk generally about final consonants and then go into, again, words and adjectives that end in C. Nous allons d'abord parler des consonnes finales, généralement, juste pour que vous connaissiez la règle générale avant de parler de noms et adjectifs qui se terminent en C et que l'on prononce. Avant de commencer, s'il vous plaît, vous savez déjà, s'il vous plaît, inscrivez-vous à ma chaîne C'est Jackie pour plus de leçons en français. Laissez-moi un commentaire me disant si vous avez aimé cette leçon ou s'il y a une leçon particulière que vous voudriez que je fasse, etc. Et aimez cette vidéo et partagez cette vidéo avec le monde! Please, 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 before we start, don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons. Like this video or dislike it, whatevs. Comment below letting me know if you like this lesson or if there are other lessons that you'd like to learn in particular. And share this video with the world. Thank you. Ok, êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Ok, les consonnes finales. En français, les consonnes finales ne se prononcent pas. Elles sont muettes. Je vais l'expliquer en anglais. In French, final, and this is the general rule, final consonants are not pronounced. Mm-hmm. We don't pronounce final consonants in French. They are silent. Par exemple, appétit. Appétit se termine en T, mais on ne prononce pas le T. Okay? Bon appétit. Gros. Grand, long, etc., etc., etc. Oui? Je répète. La règle est, en français, les consonnes finales ne se prononcent pas. Elles sont muettes. Par exemple, appétit, gros, grand, long, etc. Sauf avec les lettres C, R, F et L. Mm-hmm. Par exemple, bec, bar, bref et bol, par exemple. Mm-hmm. Except with the letters, with the consonants, C, R, F, and L. Okay? With these consonants, we do pronounce them. For example, bec, bar, bref, et bol. Okay? Alors, les consonnes finales ne se prononcent pas
excepté, sauf avec les lettres C, R, F, L. Encore, les exemples sont bec, bec, bar, bref et bol, comme un bol de céréales. On prononce aussi les consonnes si on ajoute un E après la consonne. OK? Quand on ajoute un E après la consonne, on prononce la consonne. Par exemple, grande. So, when you add an E after a consonant, you also pronounce the consonant, right? Like the example I gave was grande, tall, feminine for females. OK? Les consonnes se prononcent aussi quand on ajoute un E, comme grande. Et aussi, une autre exception, c'est quand on fait la liaison. OK? Quelquefois, on fait une liaison entre une consonne et une voyelle d'un autre mot. Now, when we do this thing called la liaison, is when you attach the consonant of one, the last consonant, of one word to the vowel of the next word, right? That's called la liaison. Right? For example, il est un garçon, right? A, the T of A, and the U of un, we do this thing called the liaison. We attach the T to that U, to that un, so that it flows. And there, we pronounce the T of A. But if there wasn't a liaison, the verb would just be A. Il est, elle est, on est, right? Il est un garçon. Il est un garçon. Très bien. OK. Quelle est la règle générale pour les consonnes finales en français? Et quelles sont les trois exceptions? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît? Merci. OK, maintenant on va parler spécifiquement des noms et adjectifs qui se terminent en C et que l'on prononce. Okay? Now we're going to talk specifically about the nouns and adjectives that end in C and that we pronounce. On va commencer avec les noms. Let's start with the nouns. Cognac. Cognac. Hamac. Hamac, lac, lac, sac, sac, bec, bec, échec. Échec, bloc, bloc, choc, choc, roc, roc, clic. Clic, diagnostic, diagnostic, trafic, trafic. Très bien. Ce n'est pas une liste compréhensive, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres mots qui se terminent en C, mais c'est une bonne liste pour commencer. Of course, it is not an... I always forget this word when I want to actually say it. But it's not a complete list, right, of all of the words
That's or all of the nouns that end in C in French, but it's a good list to start with. Okay. There are some others, but let's do these nouns one more time and then we'll move on to the adjectives, to some adjectives, not all of them, obviously. So, okay, encore une fois. One more time. One more time. Okay. Anyway. Cognac. Cognac. Hamac. Hamac. Lac. Lac. Sac. Sac. Bec. Bec. Échec. Échec. Bloc. Bloc. Choc. Choc. Rock. Rock. Click. Click. Diagnostic. Diagnostic. Trafic. Fic. Très bien. Super. Ok. Alors maintenant, on va passer aux adjectifs qui se terminent en C. Juste quelques exemples. Ok? And now we're going to talk about some adjectives that end in C that we pronounce in French, but just a few examples. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Sec. Sec. Chic. Chic. Laïque. Laïque. Public.
Public. Public. Turc. Turc. Très bien. Bravo. OK, on va faire encore une fois, on va répéter les adjectifs, les quelques exemples que je vous ai donnés de ces adjectifs qui se terminent en C. So one more time, let's repeat the adjectives, these very few examples, but good examples of adjectives that end in C that we pronounce. Allons-y. Sec. Sec. Chic. Chic. Laïque. Laïque. Public. Public. Turc. Turc. Très bien. Parfait, très bien. Et voilà, c'est tout pour notre leçon aujourd'hui. Alors, juste pour vérifier, quand... Quelle est la règle pour les consonnes finales en français? En français, les consonnes finales ne se prononcent pas, elles sont muettes, excepté, trois exceptions. Numéro 1, excepté, et il y a des exceptions à la règle, mais excepté avec les consonnes C, R, F, L. Bec, barre, bref, bol. Numéro 2, excepté quand les consonnes, qu'on ajoute un E après la consonne, comme grande, oui, comme lourde, oui, etc., etc., comme verte, ouais, vert, verte, on prononce le T, etc. Et numéro 3, quand on fait une liaison, c'est une maison. Thune. C'est une maison. Ou mais c'est tout, on ne prononce pas le T de C. Mais voilà. Parfait. Si vous avez des questions ou des problèmes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. If you have any questions or problems, please, please, please don't hesitate to put them in the comments below. Again, if there's a lesson, a particular lesson that you'd like to learn, please let me know below. I will do a lot more pronunciation videos. I've got you. We're going to be pronouncing and moving our jaw and our lips and mouth so that we can really get these words in there. Okay? Merci tellement et à la prochaine, tout le monde. Okay? Ciao!